Salut à tous, bienvenue au Biauto pour cette première étape du Tour Auto 2017. On est au château de Neuville, dans les Yvelines. Et il est très tôt, 6h30 du matin à peu près. L'orga commence à partir, les ouvreuses sont déjà parties. Et l'ami Kwame fait équipe avec Harry Vatanen dans la M4 Manicourt que je vous avais déjà montré. Sur ces deux premières étapes, ils viennent de partir. Maintenant, on attend l'arrivée des concurrents. On va prendre quelques images sympathiques et après, on va suivre. Direction Saint-Malo en passant par Le Mans, c'est parti. Et c'est tout pour Château Neuville, direction Le Mans directement, on saute la première spéciale, on prend la M140i et direction Le Mans avec l'ami Hugo et l'ami Julien qui nous accompagnent jusqu'à Limoges. C'est parti! Comment il va le Kwame? Ça va. Il était bien? Ouais, c'était cool. Les plateaux sont pas encore rentrés en piste. La ligne droite des stands est complètement déserte, comme vous pouvez le voir derrière moi. Donc c'est parti, on va se trouver un petit spot pour se poser et prendre quelques images, photos, vidéos. Du Tour Auto 2017 sur ce mythique circuit Bugatti ici au Mans. Il fait très très froid, il y a beaucoup de vent. On va se poser, on va essayer de pas trop se les geler et on va prendre des photos des différents plateaux qui vont tourner devant nous avant de reprendre la route pour Saint-Malo. Let's go. Thank you.
sur le chemin vers Saint-Malo, petite pause au bord de la route pour faire quelques images parce que j'ai réalisé que je vous avais pas montré encore la M140i qui va partager notre aventure. Et petite pause également pour voir passer les voitures du Tour Auto avec les deux compères qui sont juste là en mode planque, en mode attente. Donc je vous fais quelques images de la M140i. Dans les grandes lignes, c'est une série 1, une BMW série 1 avec un gros 6 cylindres 3 litres de 340 chevaux, 500 Nm, ça donne 250 km/h en vitesse de pointe, 4 secondes 4 de 0 à 100 et une mélodie super agréable et un aspect qualitatif et super sportif. Donc pour l'instant on se régale, on a fait quand même pas mal de bornes là depuis Paris avec la M140i et l'impression est vraiment super bonne. Quelques voitures qui passent, là en l'occurrence une Porsche 911 2.7 litres. Et voilà, donc on continue, je vous fais quelques images, on essaie de spotter encore quelques voitures qui vont passer pour faire des images photo, vidéo, et on est reparti, direction Saint-Malo. Dernier petit stop avant Saint-Malo. Saint-Malo est juste là-bas. La lumière est juste fantastique. J'espère que vous m'entendez, il y a énormément de vent. On a fait un dernier petit arrêt pour faire quelques petites photos avant d'aller au parc fermé et puis de rejoindre Saint-Malo pour y passer la nuit, se reposer un petit peu pour repartir dès demain. J'espère que vous avez apprécié toutes les images qu'on vous a fait un petit peu à l'arrache certes sur cette première journée du Tour Auto. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite une très très bonne continuation les amis, plein de bonnes choses. Ciao !